le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo pour vous montrer différents petits rangements que j'ai fait. Il y en a peut-être certains que je vous ai déjà montré, mais bon, je suis pas sûre. Bon, voilà. Alors, lors du concours pour les cartes de la Saint-Valentin, j'ai reçu quelques ATC. Donc ce qui me donne envie d'en faire, donc je vais certainement en faire parce que certaines d'entre vous m'ont demandé pour faire des échanges, donc je vais commencer à potasser ça pour faire des ATC. Voilà, donc ce sera nouveau pour moi, mais bon, ce sera pas trop compliqué. Et donc je voulais garder bien sûr les ATC que j'ai reçus. Et je me posais la question de savoir comment j'allais les ranger. Et en fin de compte, j'ai trouvé très rapidement, puisque je fais des PL, des pocket letters. Et donc, pour faire les pocket letters, j'utilise donc ces pochettes, où on met toutes les petites cartes de la pocket letter dedans. Et les dimensions de chaque petite pochette dans la pocket letter conviennent très bien. Voilà, donc aux ATC. Donc voilà, ah, voilà. Déjà Fifi qui va se mettre devant. Donc conviennent très bien aux dimensions des ATC. Voilà, vous voyez, là je vous montre celle que j'ai déjà mise là pour l'instant. Ah, Fifi, non, s'il te plaît. Hop, pardon. Là pour l'instant j'en ai mis 8. Faut que je regarde si j'en ai encore reçu d'autres. Là depuis ce matin je fais du tri. Et du coup, ça me permet en même temps de les voir tout de suite quand je les aurais mis dans le classeur et de voir du coup derrière qui me les a envoyés. Voilà, d'avoir tout de suite les coordonnées de la personne qui me les a envoyés, d'avoir le nom du thème. Voilà, comme là, bon, j'en ai une qui le thème c'était la cage et elle m'a fait deux ATC, donc je sais que j'ai les deux ATC. Sur ce thème là, voilà, là j'ai la Fifi là j'ai les deux ATC du thème. Voilà, donc je sais pas si vous avez déjà fait ce système, voilà, mais enfin je l'avais pas encore vu dans les vidéos. Peut-être que certaines d'entre vous le font, je ne sais pas. Et Fifi elle va arrêter. Voilà, peut-être que certaines d'entre vous le font, mais oh, elle est insupportable en ce moment. Tu restes là. Donc, si vous le faites, dites-le moi aussi. Et si vous ne le faites pas, bah, écoutez, dites-moi si vous trouvez que c'est une bonne idée. Moi, je trouve en tout cas que c'est une super idée. Donc, comme ça, je vais avoir mon classeur avec les pocket letters que je reçois, parce que ça, je les garde dans l'état où on me les envoie. Hein. Je ne change rien. Bon, à quatre Fifi, vilaine. Oh. Et j'aurai un classeur, donc avec toutes les ATC qu'on va m'envoyer. Voilà, bon, pour l'instant, elles sont mises comme ça. Mais par la suite, au fur et à mesure que j'en recevrai, et suivant les thèmes que je recevrai, bon, ben, je les classerai certainement. Parce que là, bon, il y a du poussin, donc c'est un peu plus Pâques, on va dire. J'ai de la bonne année, j'ai... de la Saint-Valentin, voilà. Donc après, un peu par la suite, j'essaierai plus de les classer un peu plus par thème, voilà. Mais bon, pour l'instant j'ai cela. Il faut que je regarde si j'en ai encore, parce que j'ai encore des courriers que je dois encore trier et ranger, et donc je dois encore avoir des ATC à droite à gauche. Voilà, donc ça c'était mon rangement pour les ATC. Voilà, dans des pochettes de pocket letter. Voilà. Alors, mes pochettes de pocket letter, je les ai achetées chez Art Bio. Mais comme ils vont fermer leurs portes, bon, là, je vais en recommander. Je crois qu'ils n'ont pas encore fermé. Donc, je vais recommander un petit stock chez eux. Mais après, je ne sais pas où je vais les acheter. Parce que je ne sais pas qui en vend après. Voilà, donc je vais regarder s'ils n'ont pas encore fermé le site internet.
pour pouvoir en reprendre. Et après, bon, ben, je ne sais pas où est-ce que je pourrais en trouver. Dites-moi, vous, à part Art Bio, où vous achetez vos pochettes de pocket letter. Voilà, au passage. Donc voilà, ça c'est mon rangement donc pour les ATC. Voilà. Ensuite, ce matin, j'ai fait un triage dans mes tampons de Action, les clear, hein, les tampons clear. Donc j'ai tout enlevé de leur pochette et bon, j'ai mis dans le classeur, alors ça fait épais par contre, vous voyez, ça fait très épais par rapport à l'arête de l'album, mais bon, je verrai, je vais peut-être mettre un gros élastique ou je verrai, bon, c'est pas très important, c'est pour moi. Alors je l'ai mis dans l'album photo, donc c'est celui-là, vous voyez, qu'on trouve chez Action. Et j'avais déjà utilisé donc pour les autres tampons, les tampons avec les dies. Je vais vous le remontrer. Alors dans cet album, ce qui est très pratique, c'est qu'il y a déjà les pochettes. Je vais vous montrer. Hop. Alors je vais baisser un tout petit peu la caméra pour que vous voyez mieux. Voilà. C'est qu'il y a déjà les pochettes, vous voyez, ici. Et qui sont à la taille donc des plaques de tampons. Vous voyez, elles sont à la plaque des tampons, à la taille des plaques de tampons. Alors, du coup, c'est impeccable, j'ai rien à faire, juste à les glisser. Et du coup, quand je cherche un tampon, bah, ça ira plus vite que de trier dans ma boîte. Voilà. Vous voyez, j'aurais juste à tourner mes pages et à chercher le tampon que je souhaite. Voilà, ils sont tous là. Par contre, je croyais en avoir plus, mais non. J'en ai pas tellement. Enfin, j'en ai pas tellement. Oui, j'en ai quand même pas mal, mais... Donc, du coup, ce sera beaucoup plus facile pour retrouver les tampons que je souhaite utiliser. Voilà. Donc, ça, c'était mon rangement donc pour mes tampons... Action, mais juste les tampons clear. Et là je vous dis, bon, je vais certainement, les facteurs souvent ont des gros élastiques là, très larges, je vais demander à mon facteur s'il peut m'en donner un. Et donc dans le deuxième classeur, comme ça je vous l'avais déjà montré, mais je vais vous le remontrer pour ceux qui ne l'ont pas vu là. Donc là je vais les finir parce que du coup là j'ai pas fini de classer, hein. Pour mettre les tampons avec les dies de chez Action. Donc là j'avais, parce que là il faut que je mette des plaques d'aimant. Voilà, donc je vous remettrai le lien de la vidéo comment j'avais fait. Donc c'est très simple. Donc là par contre j'avais mis des petites tirettes. Alors j'avais collé, rappelé la plaque de tampon sur une feuille de carton et j'ai mis une petite tirette pour que ce soit plus facile à attraper, et le dice qui correspond avec, donc idem sur une plaque aimantée, le dice est dessus. Voilà, donc là j'en avais fait qu'un, je crois, non, deux, voilà, mais j'avais pas encore fait d'autres pour l'instant. Là donc pareil, donc on a le tampon et en bas on a les dice qui correspondent. Donc là, je dois continuer. Depuis que j'avais fait la vidéo, j'ai pas encore fait. Vous voyez, j'ai tout cela à ranger. Donc je vais faire ça cette semaine pour le remplir. Donc là, celui-là de classeur, enfin d'album, me sert donc pour les tampons avec les dies. Et là, je changerai justement et je marquerai dessus ce que c'est, et également sur l'arête. Comme ça, quand ils seront rangés verticalement, bah, je verrai tout de suite ce que c'est. Ensuite. Un autre rangement, celui-là je ne sais pas si je vous en avais parlé, mais bon, il me convient pour l'instant, mais c'est pareil, il est trop épais et il faut que je trouve une autre solution. Là je veux bien vos idées par contre. C'est pour les découpes que je suis plein de paillettes, je sais pas pourquoi j'ai plein de paillettes. C'est pareil, là j'ai pris un mini album et il commence à se déformer, donc ça m'embête.
J'avais pris un mini album action, donc ceux-là, vous voyez, les petits, pour mettre les découpes qu'on m'envoie ou les découpes que je fais moi-même et que j'ai en trop. Voilà, vous voyez. Donc, toutes les découpes sont dedans. Bon, elles sont à peu près classées. Vous voyez. Donc, à peu près par thème ou quand j'en ai plusieurs du même dessin. Voilà. Oh, j'en ai un qui s'est sauvé. Ça y est, je vais le ranger après. Vous voyez. Voilà. Mais bon, là, je sais pas, je le trouve trop petit pour moi maintenant. Parce que j'ai reçu énormément de découpes. Et du coup, je commence à trouver trop petit. Mais bon, pour l'instant, il me dépanne bien. Donc, c'était bien au début. Mais regardez, vous voyez, regardez comment boom, la couverture se déforme, elle se casse. Et donc, c'était bien au début. Mais là, maintenant, ça ne va plus. Il faut que je change ce système. Alors, à moins que je fasse une boîte avec des pochettes verticales et que je cherche comme ça, vous savez, avec des petits onglets, peut-être. Je pense à ça. Ça serait peut-être la meilleure solution. Mais sinon, dites-moi en barre d'infos, en commentaire, comment vous rangez les découpes que vous recevez ou que vous faites et que vous gardez de côté. Parce que là, bon, moi, là, je suis arrivée au maxi de cette solution-là. Donc, je pense vraiment que je vais me faire une boîte en carton avec des onglets et y mettre des pochettes plastiques pour les ranger. Je vais voir. Ensuite, mon dernier rangement pour l'instant, c'est toujours avec ce mini-album. Et là, il me convient pour l'instant, parce que j'en ai pas beaucoup, c'est pour mettre les découpes en bois. Vous voyez, voilà. Donc là, c'est beaucoup des découpes que j'avais eues chez Scrap New Age. Scrap New Age. Ouais, bon, je parle pas bien. Et donc là, pour l'instant, il me convient. Mais bon, c'est pareil, hein, quand je commencerai à en avoir plus, et ça va bloquer. Donc voilà. Vous voyez. Donc là, par contre, je ne peux mettre que... Attends, je vais en baisser. Voilà. Je ne peux mettre qu'une découpe à peu près par page pour ne pas les abîmer parce que c'est assez fragile. Sauf quand c'est des mots. Là, quand c'est des mots, j'en ai mis plusieurs. Vous voyez, comme celui-là, par exemple, il est hyper fragile. Donc, je ne veux pas qu'il casse. Voilà. Ceux-là, je les avais achetés au salon. C'est Carvin, je crois. J'avais été avec Coco. Voilà, donc là, bon, vous voyez, j'ai encore de la place pour en mettre. Et par contre, celui-là, je ne peux pas le ranger. Il est trop grand. Vous voyez. Donc, il est à la fin. Donc voilà, là pour mes découpes en bois, c'est ce que j'ai trouvé pour ranger pour l'instant. Ensuite, il faut que je refais un autre rangement également pour... j'ai des rangements également. Donc, il est là. Voilà, ce genre de rangement, les boîtes, on a tous à peu près des boîtes comme ça. Pour mettre toutes les petits embellissements... Alors cette boîte là elle est pratique parce qu'on peut ranger des deux côtés, vous voyez, là et là, voilà, et ça va, ça ne se, vous pouvez le tourner dans tous les sens, ça déborde pas. Et c'est une vieille boîte celle-là, voilà, je l'ai depuis une éternité, et vous voyez là je peux y ranger plein d'embellissements. Donc j'essaye de les ranger par catégorie également. Voilà, là c'est, là vous voyez, j'ai encore des embellissements en bois ici, et pareil, j'ai des boîtes, les boîtes d'action, où j'ai plein de, j'en ai une qui est remplie d'embellissements en bois. Donc, voilà,
Et bon, j'ai aussi les paperclips, j'ai pas mal de choses dans cette boîte. Des trucs comme ça en carton, les die cuts, voilà. Donc cette boîte-là me va bien. Et de l'autre côté, voilà, c'est pareil, il y a un peu de tout, il y a des... C'est pas renversé quand même. Vous voyez, il y a un peu de tout, il y a des boutons, il y a des brades, il y a des petites fleurs strass à coller, des petits rubans, des petites choses en mousse comme ça. Ben là, comme justement j'ai un truc à faire pour Pâques, ça va me servir. Voilà. Donc là, dans cette boîte-là, je peux vraiment mettre pas mal de choses qui me font en bric-à-brac. Et là, c'est pareil, je vais vous essayer de vous montrer avec la caméra. Vous voyez? Alors, je vous montre ici. Là, il faut carrément que je trouve un autre système. Vous voyez? C'est le bric-à-brac. Donc, il y a mes strass, il y a plein de trucs. Les pin stickers, mes brades, il y a vraiment tout. Et là, c'est. Vous voyez, ça va jusqu'au fond. Là-bas, il y a une deuxième boîte au fond. Et là, c'est vraiment la cohue. Voilà. Mais bon, je voulais surtout vous montrer mes rangements dans les albums photos. Voilà. Pour aujourd'hui. Là, faut encore que je trouve un système donc pour ranger les petites choses comme ça que j'ai reçues. Pareil à la Saint-Valentin. Donc, des choses comme ça. J'avais reçu aussi, vous voyez, des super papillons. J'avais reçu des découpes comme ça aussi de fleurs, voilà, j'ai des images, tout ça. Donc il faut que j'arrive à tout classer. Mais le problème, c'est qu'il faut ranger, il faut savoir où on range, pardon, où je les range et que je puisse les trouver très très facilement. Voilà. Et moi, mon problème, c'est ça, c'est de faire un classement comment, pratique, facile d'accès et que ce soit facile pour retrouver les choses. Parce que bon, ben, comme j'ai tellement de choses dans l'atelier, malgré que là, je suis en train d'en vendre, mais j'en ai toujours autant. Voilà. Pareil, j'ai aussi, on m'envoie aussi pas mal de choses comme ça. Vous voyez, les tamponnages. Donc ça, pareil, il faut que j'arrive à les ranger, à moins de prendre un classeur, un petit classeur de l'école, vous savez, les petits classeurs à 4 avec les petites pochettes comme quand on allait à l'école, et les mettre dedans peut-être. Voilà. Donc ça aussi, par exemple, les choses comme ça, comme on voit, il faut que je les classe aussi. Et c'est toutes des choses que je dois classer, qui ne soient pas, pour qu'ils ne soient pas abîmés, qu'ils ne soient pas chiffonnés, avant que je puisse m'en servir. Tant qu'à faire, ce serait pratique. Donc là, j'ai du boulot à trouver tout, à faire tous ces rangements. Encore. Bon, là déjà pour mes tampons d'action, je suis contente. Malgré que l'album soit déjà très très gros du coup. Mais je vous dis, je vais essayer de demander à mon facteur un gros élastique. Un gros élastique. Et puis on verra bien en attendant. Voilà. Mais au moins, j'ai tous mes tampons sous la main. Je les vois tout de suite. J'ai juste à tourner les pages, à voir quel tampon je vais utiliser. Voilà. Et faire attention parce que c'est quand même des feuilles en papier. Donc de ne pas les déchirer en les tournant. Donc voilà. Bon, ça m'a permis aussi de voir que j'avais des tampons en double, donc que j'ai mis sur ma page Facebook. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous montrer également. Je vais profiter de la vidéo. Alors, je ne sais pas si vous les avez vus, si vous les avez eus chez Action. Alors, moi, je les avais eus la semaine dernière. Je n'avais pas eu le temps de vous les montrer. Hop, je les ai là. Attendez, je fais un petit peu de place pour pas abîmer mes découpes. Voilà.
C'est les nouveaux albums, enfin les nouveaux blocs actions. Je vais faire baisser un tout petit peu la caméra, voilà. Donc ils sont, c'est des actions avec du fall. J'ai dit quoi là? Des actions avec du fall, c'est ça hein? N'importe quoi, des blocs de papier avec du fall. Alors j'ai le bleu, le rose et le botanical vintage, le mysterious pastel et le flowering blue. Alors je vais vous les montrer, ils sont très beaux comme d'habitude. Alors par contre ce ne sont des feuilles, c'est des feuilles que d'un côté, c'est pas des recto verso. Alors par contre du coup je ne sais plus si je les ai payés 1,99€. Alors on va essayer de se mettre comme ça, ça ira mieux peut-être pour moi. Voilà. Donc celui-là est brillant. Et je crois qu'il n'y en a qu'une de chaque. Alors vous avez une matte, pas brillante, et une brillante. Ils avaient déjà sorti hein, le même système. Donc celui-là me plaît bien. Je sais pas si. Mais, du coup, je me demande si je vais pas peut-être utiliser celui-là pour mon album mariage. Ou alors pour l'album de mes témoins. Peut-être. Je ne sais pas. Je vais voir. On va réfléchir. Oui. Allez. Ah. Pas venir en collé quoi, non, voilà. Il brille vraiment bien, celui-là il est superbe en brillant. Bon, c'est vrai que ce genre de page c'est difficile à se servir, à mettre des photos dessus, mais alors, je ne sais pas dans cette série là combien il y a de blocs. Moi j'ai eu que ces trois là. Bah, souvent ça marche par 6, mais je n'ai eu que ces trois là moi. Voilà, c'est tout pour celui là. Alors le Mysterious Pastel, alors celui là je le trouve super beau. Allez, celui là. Alors je vais essayer de vous montrer comme ça, je pense que c'est mieux. Voilà. Oh, je suis pas dégourdie de mes mains aujourd'hui. Regardez là, avec les papillons. Il est trop bon. Vraiment très joli celui-là. Là encore avec des petits papillons. Donc là c'est les papillons qui sont en brillant. Vraiment celui-là est très joli. Regardez cette page. Elle est belle hein. J'adore. Eh oui, moi qui aime ce qui brille, maintenant vous le savez. Celui-là, il est magnifique. Regardez. Bon, là, c'est en mat. Regardez comment il est beau. Là, en brillant. Alors, ce qui brille, c'est des petites fleurs, quelques ailes de l'oiseau, aussi dans les papillons. Ici, avec les libellules. C'est beau, hein. Donc là, il est entièrement, tous les dessins sont en brillant.
Mais des fois, j'ai déjà dit sur d'autres blocs, hein, mais des fois, c'est les pages, certaines de ces pages de blocs se suffisent à elles-mêmes. Vous prenez la page, vous la mettez dans un cadre, comme ça au mur, ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire autre chose, tellement des fois elles sont belles. Encore avec des papillons. Allez. Même une comme ça, hein. Moi je la vois bien juste encadrée. Elle est simple, mais je la vois vraiment juste un joli cadre. Ça serait super. Voilà. Et le dernier, donc c'est le Botanical Vintage, celui-là. Donc celui-là est plus fleuri, hein, bien sûr, d'où son nom. Il y a toujours les papillons hein, dedans. Bon, celle-là, elle est un peu chargée. Là, ils ont mis du brillant, mais sur les roses. Et celui-là, il est magnifique. Allez. Une page comme ça, je vous dis, moi encadré, moi j'aime. Je sais pas vous, mais même ça, hein. Plutôt en brillant, mais vous encadrez ça, ça fait un super cadre. Là, des roses. Des fleurs. Des cactus. Super beau. Alors en brillant, il est beau aussi. Ça, c'est pareil. Une page comme ça de cactus encadré. Avec un joli petit cadre vert. Regardez celui-là. Ah, celui-là, il est superbement brillant. Moi qui aime les cactus, j'en ai déjà pas mal chez moi. Ouais. Donc voilà, c'était les trois blocs, les derniers trois blocs que j'avais achetés. C'est vrai que j'en achète pas beaucoup hein, en ce moment. Voilà. Je vais profiter en même temps. Aujourd'hui, je fais la totale. J'ai eu peur, je voyais ma caméra s'arrêter, mais non. J'ai commandé. Ben là, c'est pour mon album de mariage. Donc là, ça fait un petit moment que je l'ai reçu. Est-ce que j'ai la date là-dessus? Non, il n'y a pas la date. Non, je sais pas. Ah si, le 16 mars. Non, pas le 16 mars, c'est pas possible. Le 6 mars. Bon, enfin, soit. De toute façon, avec la poste en ce moment, petit aparté, ma belle-fille a eu son anniversaire le 28 février. Donc, vous vous rappelez la jolie carte que j'avais fait avec de la dentelle et des fleurs blanches. Donc, c'était pour elle, pour son anniversaire. Bon, à la vidéo, je ne pouvais pas le dire. Et j'ai envoyé donc la carte le 28 février ou le 29 février, bon, le jour même de son anniversaire. Et elle l'a reçue hier. Donc hier, nous étions le 14 mars. Hein, je l'ai envoyé le 28 février. Elle a reçu le 14 mars. Et déjà ça, hein,
voilà. Mais en plus, le tampon qui était sur l'enveloppe était du 18 mars, du 18 février, pardon. En ayant mis la lettre le 28 février à la poste, ils ont mis un tampon du 18 février. Alors, 18 février en mettant la lettre le 28. Bravo la poste, ils sont forts. C'est de mieux en mieux. Bon, enfin, le principal, c'est qu'elle a reçu sa carte. Mais même mes faire-part de mariage, hein. J'ai des faire-part de mariage. Donc moi, je suis presque à Lille. Hein. On a envoyé des faire-part à Lille. Ils ont mis 10 jours. 10 jours pour faire 10 km. Bah, 1 km par jour. Voilà. J'aurais été plus vite de les amener moi-même. Mais bon, enfin. Oui, donc je reviens à mes moutons. Pour mon album de mariage que je ferai, que je n'ai pas encore commencé, hein, moi, de toute façon j'ai le temps. Hein. Je vais faire une couverture en tissu, avec la dentelle, avec voilà, pas mal de froufrou. J'ai commandé du tissu sur eBay à ma vendeuse habituelle. Donc c'est la boutique comme autrefois. Pardon. Et qui m'a envoyé ça très très vite. Hein. J'ai fait la commande par exemple, un dimanche, je l'ai reçu mardi. Donc elle va très très vite pour envoyer. Et donc j'ai pris du tissu. Donc je vous le montre. Voilà. Donc c'est le tissu que j'ai pris. Donc, bien sûr, je vais le repasser avant hein, et tout. Voilà. Voilà. Et... Donc, à nos couleurs, hein, pour du bleu. Voilà. Et donc, comme l'album sera quand même assez conséquent, donc ce tissu me plaisait beaucoup. J'ai payé dans les 5 euros. Et là, il y a, je crois qu'il y a 1,10 m pour 60 cm, je crois. Je ne sais plus exactement. Et donc je vous remettrai le lien de cette boutique en barre d'infos. Et j'ai pris des dentelles. Enfin, c'est surtout plus des galons que des dentelles. Voilà. Alors, toujours dans les tons bleus. Et celle-ci. J'aime bien parce qu'elle a des petits sequins. Alors, je ne sais pas si vous allez bien les voir, vous voyez. Donc j'aimais bien ça, donc je sais plus combien, je crois que j'ai pris 2 mètres. Et là, le tissu est un petit peu est brillant un peu quand on le regarde de près. Donc voilà, donc celui là et j'en ai pris un autre qui va avec celui ci donc j'ai pris ça. Voilà. Voilà, donc toujours dans les tons bleus avec les mêmes sequins et dans le tissu il y a, comme là vous voyez, il y a des petits pois blancs dans le bleu et là il y a un petit rappel de petits pois. Alors, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, hein. Il y a un petit rappel de petits pois blancs dans le tissu bleu. Voilà, donc pareil, j'ai dû en prendre 2 mètres. Je ne sais plus exactement. Donc voilà, donc ça ce sera pour mon album de mariage. Et il y aura certainement, je vais certainement mettre un petit bout aussi pour les albums des témoins. Je vais voir. Donc voilà tout ce que j'avais à vous montrer aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ben, je sais pas si je vais avoir le temps de faire des créations. Je vais voir peut-être. Bon, je vais mettre de côté, sinon je fais du bruit. Parce qu'il est quelle heure? Oh, il est midi et demi. Donc, je vais peut-être faire une création aujourd'hui. Je vais voir. Parce que cet après-midi, rendez-vous chez le dentiste. Donc le dentiste, enfin
C'est pour enfin avoir mes appareils dentaires. Donc il est temps, youpi. Parce que là j'en avais un peu marre. Et bon, marre de manger de la purée et du liquide, de la viande hachée. Donc voilà, je vais être toute belle avec mes nouvelles dents. Ah, c'est ça de vieillir. Hein. Que voulez-vous? Voilà. Et puis ce soir, je vais continuer à ranger toutes mes petites choses, tous les petits créas qu'on m'a envoyés. Donc il faut que je vais vous faire une petite création. Je ne sais pas quoi encore, mais je vais en faire une. Et vous la verrez, j'espère, aujourd'hui, sinon demain. Voilà. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des petites idées de rangement. N'hésitez pas vous aussi à me donner des petites idées hein, sur vos rangements, surtout pour les découpes. Parce que là, vous avez vu, hein, je suis arrivée au bout de mon rangement. Donc ça, il faut que je trouve une nouvelle solution. Et puis voilà, sinon c'est pareil, je vais peut-être je vais peut-être faire une boîte avec des sachets et puis des petites intercalaires avec des onglets. Voilà, je vais voir. Mais bon, je vous montrerai tout ça. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais à tous de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Pas trop sous la pluie comme nous, j'espère. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, bisous bisous.